Bon, la situation sécuritaire de ces derniers jours, c'est un peu une situation un peu calme, mais c'est un calme précaire. C'est un calme précaire du fait que, bon, ils sont en train peut-être de s'organiser pour frapper quelque part. Mais j'ai dit ce matin au chef de Séville, au chef de quartier Nabakoum, qu'il ne faut pas croiser les bras. Nous devons être vigilants parce que ces gens s'organisent quelque part. Et puis nous devons faire un effort pour dénoncer les gens qui vendent des chambres à fumer, des boissons fortement alcoolisées, parce que ces gens-là, avant d'opérer, ils passent par ces bichots-là pour se donner un peu de force. Hein? Alors, quand une fois on décourage ces gens-là, ça va nous permettre à ce qu'il y ait un peu du calme dans notre entité. Et c'est ainsi que je demande au chef de quartier d'être trop vigilant et de créer des systèmes d'alerte. Il n'est pas quand même acceptable qu'on visite un voisin. Ce n'est qu'après le départ des inciviques que vous sortez pour compatir au malaise des voisins. Alors qu'il fallait que pendant qu'on visite le voisin, si vous avez des systèmes d'alerte, par exemple, de jeter des cailloux par-ci par-là, ces gens ne sont pas, ils vont fuir. Soit prendre des assiettes là, essayer de faire des bruits, ils vont fuir.